Proposition amendement fait pour sortir en nan pays. C'est pour ça que nous pour aller sortir un rapport que nous avons un rapport d'étape. Rapport d'étape ça depuis le sortir, nous pour faire tourner national dans toutes 10 départements et après consultation nationale ça seulement nous pour mettre un rapport définitif. Est-ce que nous prenons tout ça qui bail là en considération? On capable dire à 90% oui parce que nous gagnons un exercice d'arbitrage que nous avons obligé de faire tout. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont faites que nous ne pouvons pas accepter. Mais il y a des propositions tout que nous ne pouvons pas accepter. Lorsque 9 ou 10 anciens premiers ministres Chita là, et ils tout d'accord sur une série de bagailles qui pour changer, pour améliorer le fonctionnement de la Constitution, est-ce que la Commission a un spécial amendement capable de dire qu'elle ne peut pas tenir compte de ça? Je ne sais pas si on va faire comme ça. Donc, moi, c'est son petit patience que nous avons des sociétés, à pays à la presse, nous avons une date, c'est 31 mars 2018. À date ça, on va nous tout rendez-vous avec une proposition d'amendement, une recommandation d'amendement qui sort ici dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Et l'ancien Premier ministre Evans Paul a applaudi l'initiative de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de discuter avec les anciens chefs de gouvernement. L'ancien Premier ministre estime qu'il est de bon temps que tous les secteurs de la société se prononcent sur la question. Nous tous parlons créole. C'est une langue qui m'a connu ici ensemble. Mais, ou est créole là, nous parlons embarrassés. Mais, documents officiels, ils ont fait en français. Et documents officiels, ils ont fait pour qui ça? Ils ont fait pour défendre l'intérêt peuple haïtien, majorité peuple haïtien, mais tout haïtien parle créole. Pour qui ça? Documents officiels, ils ont pas fait en créole. C'est ça que je vais me proposer dans l'amendement. Que nous établissons une hiérarchie dans la question de la langue officielle là. Il faut nous dire créole première langue officielle, français deuxième langue officielle. On va dire retirer français parce que nous avons besoin de français comme langue internationale. Même gens, tout le monde a liberté pour parler anglais, parler chinois parce que langue sont outils de communication et langue est important pour connecter monde avec monde. Mais langue fondamentale pour faire société avancer, c'est créole. Moi-même, en 1987, moi ton dissident de constitution 1987 là moi pas de voter et me dit on a rare monde comme militant politique qui pas de voter et me t'expliquer pour qui ça elle me dit me pas de voter là c'est pas moi même seul et qui de parti me fait partie là t'es déjà existé pas comme parti mais comme organisation de base nous t'es ouais t'es grand pile incohérence t'es grand pile contradiction dans la constitution. Autre point, égalité et équité de genre, c'est l'une des thématiques qui a été débattue dans le cadre du sommet ACPUE qui se déroule en Haïti. Ce sommet offre l'occasion à chaque groupe de parlementaires de traiter les thématiques qui ont de l'intérêt pour leur pays. Diallo Aissata Touré, député de Mali, souligne la nécessité pour que la lutte des femmes soit menée dans le respect des droits et devoirs de tous. Nous avons la même réalité chez nous au Mali. Dans les pays frontaliers en Afrique de l'Ouest et un peu plus loin d'ailleurs, même au niveau du Sénat et du Congrès américain où nous avons eu la chance de faire une sortie, nous nous sommes rendus compte que les femmes ne sont pas aussi représentées que leur nombre réel au niveau mondial le mérite peut-être. Parce que nous parlons d'équité. Si nous parlons d'équité à un certain niveau en termes de compétences, en termes de valeur. Les femmes, les postes qu'elles doivent avoir, elles n'ont pas ces postes-là. Donc, c'est comme je l'ai dit, c'est une question à réflexion. On en parle, mais peut-être qu'il faut maintenant agir pour que ça soit rétabli. Les acquis, nous venons de voter une loi sur le quota, c'est-à-dire pour les postes électifs et les postes nominatifs, nous avons arrêté un pourcentage de 30%. On dit promotion du genre. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Sur chaque liste qui existe, nous avons soit 30% de femmes, soit 30% d'hommes. Oui. Aujourd'hui, c'est la loi qui a décidé ça. Quand vous parlez d'équité, c'est effectivement l'équité. Parce qu'on ne peut pas... Il y a certaines personnes qui parlent égalité. Mais moi, j'irais plus dans le sens de l'équité. Ce qui doit être. Si tu mesures, l'homme mesure 1m70, la femme fait 1m40, il faut trouver les moyens de mettre un escabeau qui peut ramener la femme à 1m70.
Et le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degère, salue la tenue du sommet ACPU en Haïti. Le diplomate félicite la qualité des interventions tout en évoquant la nécessité de poursuivre le débat sur le dédommagement des victimes du choléra. Le changement climatique est une problématique essentielle dans notre approche. C'est d'aider effectivement nos pays amis également à développer des politiques énergétiques qui fassent appel de plus en plus aux renouvelables. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau européen. On essaye aussi de stimuler les pays qui ont potentiel, comme Haïti d'ailleurs, qui a un gros potentiel en matière d'éolien ou de solaire, pour aller plus et de manière plus déterminée dans cette direction. Et on a des appuis financiers pour aider à ce processus. L'énergie, normalement, c'est quelque chose qui produit des recettes. Donc on ne va pas faire du don sur ce genre d'opération. Par contre, on peut très bien avoir des prêts de la Banque européenne d'investissement, par exemple, pour aider à développement des énergies renouvelables. Mais pour ça, d'abord, il faut des bons projets. Donc, il faut déjà avoir une capacité technique de monter des bons projets. Et ça aussi, c'est un élément de cette discussion, c'est de favoriser l'échange d'expériences entre les différents pays, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien, et de trouver des solutions communes. Le premier signal dans ce sens-là, ça devrait être quoi? De quel point de vue vous... Là, on parle de l'indemnisation des victimes du choléra. La première étape, c'est que les Nations Unies doivent monter un plan dans ce domaine. Donc on attend de voir quelle sera effectivement la proposition qui sera faite par les Nations Unies. Ils sont venus ici, il y avait la première visite de l'envoyé spécial du secrétaire général il y a quelques semaines. Maintenant, il faut que le travail se fasse, de voir comment est-ce que ça peut se mettre en place. Autre sujet, le ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint, a présenté ce mardi 19 décembre le comité qui aura pour mission d'organiser le Carnaval national les 11, 12 et 13 février 2018. Le comité est ainsi composé, Claudel Dumas président, Jean-Michel Lapin vice-président et responsable des finances, Andy Durosier secrétaire général, Nancy Carrara représentante de la présidence, Fred Lisère responsable d'animation musicale, Albert Chancy co-responsable d'animation musicale, Emily Prophète, responsable de communication, Maël David, responsable artistique, Yves Penel, co-responsable artistique, Héros Josué, deuxième co-responsable artistique, Dny Joanne Raton, membre, et Alexandra Auriol, membre. Le mandat du comité prendra fin le 31 mai 2018. Suivant. Pas de conflit, l'État prend, il met un comité pour planifier et ce comité a assumé responsabilité, mais toujours sous regard gouvernement, c'est-à-dire ministère culture qui l'a, avec tourisme, l'Amérique qui l'a. Et pas de aucune discussion entre trois instances qui l'a pour ça. Et le président de la Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale au Sénat, Jean-René Sénatus, s'est entretenu ce mardi avec les membres d'une délégation de l'Organisation des États américains et des Nations Unies autour du renforcement du système judiciaire. Plusieurs sujets, dont le travail sur l'amendement du Code pénal et la principale mission de la MINUJUST, ont été abordés à cette rencontre. Suivez. Avec une délégation de l'OEA, qui lui-même a dans plusieurs représentations d'ambassades. Comme l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, l'ambassade du Canada, qui avec l'Union européenne, qui est venue nous. Un, pour nous présenter nous de félicitations pour dynamisme que nous mettons en dans la commission que nous avons dirigée avec la commission justice. Là. Mais pour nous, tout ensemble avec nous dans différents chantiers que nous avons travaillé, dans quel niveau que nous y. Effectivement, nous faisons un bon échange ensemble avec eux. Au cours d'échange, nous avons un travail que nous avons fait déjà, tant qu'on travaille au PC, qui bien sûr, nous dit nous, qu'il y a une organisation de défense de l'homme qui a un problème avec Renan Edouville et que nous pas tavlé Haïti capable de sanctionner l'année prochaine par rapport avec le choix président de fait de Renan. Et nous avons expliqué que le Parlement a choisi en fonction de ça la loi dit, en fonction de sa constitution, lui-même l'a dit. Nous avons une question sécuritaire de manière globale ensemble avec eux, question conjoncture, la présence policière à travers les rues, et là nous avons une présence au cours de journée, quand nous avons dans tout le pays, il y a des policiers qui sont dans la rue. Maintenant, nous avons constaté manquer policiers à travers la rue. Nous avons ensemble avec eux comme point de travail sous lit avec la direction générale de la police. Nous avons posé une question qui est bonne avec le code pénal et le code de procédure pénale. Ça a fait un pile
un dialogue entre nous pour nous voir yo même comment code pénal pa yo a telle infraction pour nous faire un droit comparé qui ca permettre au code pénal pa nous capable de travail qui plus potable pour les pays a fin adopter pour au moins c'est pas un bagage qui seulement adopté à la va vite mais plutôt un bagage qui reflète ça nous décarrer l'objectivité et surtout le respect des droits internationaux de l'homme. Notez pour dans deuxième temps ensemble avec ministre qui devine ouais nous et tu besoin qu'on ait cadre de coopération qui existe qui a existé entre nous-mêmes avec eux même comme commission et là m'té ouais avec yo un petit schisme qui ça s'est gagné entre le bureau du Sénat et une autorité dans ministre là parce que autorité Sénat quoi faut accord ratifié or monsieur ça t'a pour le démenti président publiquement pour le dire accord pas ratifié. Elinio Kamaramoun, des représentants de l'Organisation des États américains, à cette rencontre, a salué le travail de la Commission. Il a encouragé le sénateur Senatus à continuer sur cette même lancée durant l'année 2018. On était là, comme le sénateur l'a bien dit aujourd'hui, dans une visite de courtoisie et d'échange. Oui, je remercie le sénateur de son temps. Ça a été une opportunité de discuter avec lui en sa qualité de président de la Commission Justice et Sécurité sur la grande année 2017. Nous sommes en fin d'année, donc c'est la grande année 2017 et voir tous les accomplissements de cette commission et surtout de voir aussi où est-ce qu'on va vers 2018 sur les questions de justice, de sécurité, d'état de droit et de droits humains qui sont des priorités pour nous tous et pour Haïti. Et nous remercions le sénateur pour son temps, sa disponibilité et son franc-parler. Et comme il l'a noté lui-même, nous le félicitons pour son dynamisme. Et nous avons hâte de voir ce que 2018 réserve à la Commission et au travail du Sénat. Les échanges nous permettent de réaliser à quel point le sénateur est dynamique et à quel point sa commission travaille. Je pense que je permettrai au sénateur de continuer sur les grands chantiers lui-même. Mais nous soulignons son excellent travail et je pense que nous continuons et nous espérons pouvoir reproduire de tels échanges au courant de l'année prochaine. Nos priorités demeurent pour nous tous les questions d'état de droit, les questions de justice et de sécurité et de droits humains et ce sont les priorités du sénateur. Donc je pense qu'il est intéressant de voir où est-ce que nous allons avec ces grands chantiers. Et puis sachez que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a organisé une cérémonie officielle en vue d'honorer environ 22 compatriotes de la diaspora pour leur contribution dans le rayonnement d'Haïti dans leur pays d'accueil. Cette cérémonie baptisée Champion de la diaspora s'est déroulée le lundi 18 décembre à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Suivez. La Journée internationale des migrants est célébrée cette année en Haïti en regard de la contribution de nos compatriotes au développement tant de leur terre natale que dans leur pays d'accueil. Avec l'accompagnement de la présidence et de la primature, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger entend mettre en lumière l'inestimable apport des Haïtiens de la diaspora au mieux-être de la nation. Le gouvernement de la République, sous le leadership éclairé de son Excellence Jovenel Moïse, souhaite davantage reconnaître l'importance du rôle des Haïtiens de l'extérieur dans le processus de reconstruction et de relance de la croissance économique du pays, et d'y associer cette frange dynamique de notre population à toutes les initiatives qui seront menées pour le bien-être de la nation. Ainsi, l'initiative de ce soir fait partie de cette ligne directrice qui veut accorder une place de choix à la diaspora haïtienne. Aujourd'hui, cet hommage qui nous est rendu, alors j'aimerais au nom, bien humblement, au nom des membres, de l'ensemble des membres des hommagés, si je peux me permettre cette expression, de remercier le gouvernement haïtien, de remercier Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ainsi que l'ensemble du gouvernement haïtien d'avoir pensé à ce geste. La solennité du moment nous rappelle cette phrase faisant partie de notre hymne national, pour le pays, pour les ancêtres, bêchons joyeux. Bien que nous ayons choisi de bêcher sous d'autres cieux, de force ou de gré, mais notre attachement
à notre terre est aujourd'hui récompensé par cet hommage. Fin de cette édition de nouvelles. Merci d'avoir été. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. À bientôt.